Mais un film que je trouve... Allez, je m'en fous, je le dis. Un film que je trouve brillant, c'est... Eh ben, salut à tous. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de recevoir Hugo, hein, l'excellente chaîne Mr. Fox, une chaîne dédiée notamment au doublage, on va dire la référence des chaînes dédiées au doublage. Ah si, disons-le. Mais ça parle pas que de doublage, hein, de cinéma aussi de manière générale, et je suis très content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Moi, je suis très content d'être sur ta chaîne. Merci. J'aime beaucoup tes vidéos. Encore récemment, je revoyais celle sur la sociologie au cinéma, que je trouvais vraiment super intéressante et qui tapait très juste. Il n'y a pas beaucoup de chaînes qui parlent aussi de cet aspect-là du cinéma, donc c'est vraiment chouette. Bah merci beaucoup. ça me gêne un peu, on n'est pas là pour parler de moi. C'est toi qui as commencé en disant ouais, la référence et tout. C'est vrai. Bon allez, passons aux questions directement. Ça marche. Donc avant de parler des 10 films, est-ce que... tu pourrais nous donner... est-ce que tu sais d'où vient ton amour du cinéma et plus particulièrement du doublage ? Alors, mon amour du cinéma, je pense que je le dois en grande partie à mes parents, qui n'étaient pas forcément, c'est pas forcément des grands cinéphiles, l'image qu'on peut s'en faire, mais ils avaient toujours une curiosité qu'ils m'ont transmise. Mon père, c'était cette génération de pères qui a fait découvrir Le Roi et l'Oiseau à ses enfants, okay. Tu vois, ce genre de truc. Ma mère, elle s'est intéressée assez vite au cinéma japonais comme Princesse Mononoke, etc. Ouais. Et tu vois, à l'époque où Pokémon passait à la télé, elle était en mode, attends, mais Télérama, ils ont dit que ça, c'était du dessin animé japonais, mais mieux. Ouais, okay. On regarde ça. Donc, je pense qu'il y a un petit peu de ça. Et puis, pour le doublage, je pense qu'il faut plutôt chercher du côté de la télévision. Ok. C'est-à-dire que je regardais des dessins animés japonais quand j'étais ado, etc. Et forcément, il y a des voix qui résonnent. On se dit, ah lui, j'aime bien sa voix et tout. Et puis on commence à se renseigner. Et puis, de fil en aiguille. Donc tu penses qu'il y aurait quelque chose de rassurant ou... là-dedans, enfin, tu sais, qui un peu comme un doudou, on va dire, qui... Ah, j'essaye, à chaque fois qu'on me parle un petit peu de cette dimension-là, j'essaye de tempérer pour... comment dire, je veux pas que le doublage, c'est un peu ce que j'essaye de transmettre dans ma chaîne, je veux pas que ce soit juste vu comme un truc nostalgique. Ouais. Parce que souvent, je rencontre des cinéphiles qui regardent plutôt de la VO, sont plutôt, même pour certains, anti-VF. Okay, mais les dessins animés de mon enfance, ça passe, Le Roi Lion, etc. machin. Et moi, à chaque fois, j'ai envie de tempérer, de dire, mais encore aujourd'hui, il y a des bons doublages qui sortent et tout, donc faut pas non plus... penser que à son enfance et tout. Si on regarde rétrospectivement les VF des années 80, avec un regard d'aujourd'hui, on serait peut-être moins sympathique. Il y a des libertés qui étaient prises au niveau de l'adaptation qu'on n'accepterait plus aujourd'hui, tu vois. Typiquement, tout le monde cite, même les anti-VF, la VF de Retour vers le futur, en disant c'est vraiment génial et tout. Moi, à chaque fois, je me dis, est-ce que aujourd'hui, dans un film qui sortirait aujourd'hui, on accepterait que Calvin Klein soit transformé en Pierre Cardin. À l'époque, ça avait du sens et tout, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, je pense que sur Twitter, ça gueulera en disant pourquoi ils ont transformé le 1,21 gigawatts en 2,21 gigawatts. En plus, ils disent gigawatts, ça veut rien dire, etc. Je pense qu'il y aura des petits débats là-dessus sur Twitter. Donc, j'essaye de sortir un peu le doublage de cette dimension-là et de dire... le doublage dans les années 80, c'était pas si génial. Le doublage dans les années 2010-2020, c'est toujours bien et tout, donc d'essayer de faire la part des choses, on va dire. Ok, bon, c'est très bien. Alors, est-ce que tu es prêt pour te définir en 10 films ? Eh ben écoute, on va essayer. Ok, c'est parti. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner ton premier souvenir cinéma ? Où est ton film d'enfance ? Alors, quand tu dis premier souvenir cinéma, c'est salle de cinéma ? Non, moi j'entends premier film, enfin premier souvenir. Je pense que ça va être à chercher du côté des Disney, comme beaucoup de gens de mon âge, c'est les Disney en VHS, etc. Okay. On m'a raconté, mais j'ai pas ce souvenir-là, que quand on m'a amené voir Le Roi Lion ou quelque chose comme ça au cinéma, j'étais allé derrière l'écran pour voir où était le gros magnétoscope. Qui était remis à l'écran de cinéma. Donc, je pense qu'il y a vraiment un truc avec le magnétoscope quand j'étais gamin.
Mais sinon, ouais, c'est les films que m'ont montré mon père. Je pense très jeune, j'ai vu Le Roi et l'Oiseau. Ouais. Et un autre film moins unanimement salué par la critique, on va dire, Pollux et le chat bleu, qui est un film en stop motion, des années 70 et tout, justement adapté du Manège Enchanté, etc. Okay, ouais. C'est un film que je trouve hyper attachant, hyper particulier et tout machin. Mais quand je le montre à d'autres gens, ils sont en mode... ouais. Ok. Ouais. Donc je pense que là, pour le coup, il y a vraiment la dimension souvenir qui doit jouer. Okay, et l'affect dans le truc. Ouais. Ouais, je pense. Et donc, ouais, ton film d'enfance, t'en as un particulier qui t'aurait accompagné Ouais, je pense que ça va être Le Roi et l'Oiseau aussi. Okay. Je pense que ouais, ça va être... Mais les premières cassettes vidéo que j'ai patinées, on va dire. Ouais. Et ce qui est cool avec Le Roi et l'Oiseau, c'est que... Typiquement, il y a des films, tu les regardes gamin, quand tu les vois plus vieux, tu dis ouais. Et Le Roi et l'Oiseau, ça reste génial. Ouais, c'est et c'est un film, tu dis putain, j'ai de la chance de l'avoir vu gamin, quoi. Ouais, c'est clair. C'est un bon premier pas, quoi. Ouais, c'est vrai. Ils ont bien fait le travail, hein, tes parents. Ah, j'ai pas à me plaindre, en vrai, j'ai pas à me plaindre. Alors maintenant, à contrario, quel est le dernier film que tu as vu et celui qui t'aurait marqué cette année? Un dernier film que j'ai vu, c'était littéralement. Avant-hier, à la réouverture des salles, c'était Drunk, qui m'a beaucoup plu. Ouais, okay. Je suis un peu, comment dire, j'arrive pas trop, je suis encore un peu mitigé sur le message du film et le regard que le film porte sur l'alcool. J'ai pas encore réussi, en toute humilité, j'ai pas encore vraiment décrypté la vision du réalisateur sur le sujet. J'ai des potes qui m'ont dit qu'il fallait pas en chercher un et qu'il avait un portrait un peu neutre de l'alcool, ses bons et ses mauvais aspects, mais je sais pas, je me dis que quand même, en tant que réalisateur, t'as forcément un point de vue sur le sujet, surtout quand tu réalises un film dessus. Ouais. Et je crois que le film est dédié à quelqu'un qui est mort justement. Sa fille. Ouais, hein. C'est sa fille. Hein. Juste avant le tournage, je crois, quelques jours avant le tournage. Ouais. C'est, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'a pas pu tourner les scènes d'enterrement plus que ce qui était prévu, parce que c'était trop ouais, dur. Quoi. Ouais, trop douloureux. Ouais. Ok. Ok, et du coup, il y aurait un film comme ça qui t'aurait marqué cette année? Le film qui m'a marqué cette année, pour l'instant, que j'ai vu le même jour, c'est Adieu les cons. Ok. Qui est sorti l'an dernier, mais que j'ai vu que à sa ressortie cette année. Et... Je trouve que c'est un des meilleurs films de Dupontel, en vrai. D'accord. Parce que je l'ai trouvé drôle. Il y a des scènes absolument hilarantes. Et en même temps, il y a des scènes hyper touchantes. Ok. Et le film, c'est... Comment dire? C'est rare qu'un film arrive à manier les deux émotions aussi élégamment. Tu vois, il y a des films, des séries qui m'ont marqué... qui arrive à passer brutalement du coq à l'âne et à te prendre les tripes en mode « Ah, tu t'y attendais pas, celle-là !» Des séries comme Kaamelott, Le Visiteur du Futur et tout, t'es pas du tout préparé à te prendre des coups de poignard dans le dos. Adieu les cons est plus élégant, c'est-à-dire que tu passes pas brutalement de l'un à l'autre. Okay. T'as vraiment un mélange de joie et de tristesse. C'est savamment dosé. Quand tu sors du film, tu te dis pas c'est un film triste. Tu te dis pas non plus qu'est-ce que je me suis tapé des barres de rire. C'est un film complet. Ouais. Je dirais que les autres films de Dupontel que j'ai vus ces dernières années, 9 mois ferme, il est plus dans le rigolo. Ouais, ouais. Au revoir là-haut, il est plus dans le tragique. Et Adieu les cons, je trouve, c'est vraiment celui qui équilibre le mieux ces deux aspects-là du cinéma de Dupontel. Ouais, quoi. Fait la synthèse de son... Ouais. Alors après, je pense qu'il est encore capable de nous surprendre dans les années à venir. Il est loin d'avoir fini sa carrière, mais... je trouve ce film-là est particulièrement attachant dans ses films récents. Ok, bon. Et ben, moi j'irai le voir parce que je ne l'ai pas vu. Bah écoute, alors la transition est plutôt parfaite parce que j'allais te demander quel film te fait pleurer et quel film te donne la patate. Ah, il y a beaucoup de films qui me font pleurer. Moi j'ai... J'ai très tôt, et là tu vois on en revient aux parents, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont jamais dit
quand t'es un mec, tu pleures pas et tout. Ah ouais. On n'était pas dans ce truc-là. Et assez tôt, j'ai vu des gens qui pleurent et on m'a jamais dit ah, c'est pas bien, faut cacher ses émotions. Donc j'ai pas de problème à pleurer au cinéma. J'assume très très bien. Même sur des trucs pas particulièrement tristes, mais tu sais, qui sont bien tournés, qui sont bien, bien fichus et tout. Ça m'arrive de pleurer quand je vois, ça m'arrive de pleurer devant Mad Max Fury Road. Okay. Parce qu'il y a cette scène où Furiosa, elle tombe à genoux dans le désert, elle se rend compte qu'elle a pourchassé une chimère. Et la scène est tellement bien tournée, dramatiquement, ça arrive pile au bon endroit, au bon moment et tout. Moi, ça me fout les larmes aux yeux, quoi. Ouais, c'est, okay. C'est terrible. Et si faut que je choisisse un film qui me fait pleurer vraiment à tous les coups, je pense que ça va être un Pixar, Vice Versa ou Toy Story 3 au choix. D'accord. Les deux ont des scènes absolument, absolument brillantes, quoi. Ouais, ouais. Et un film qui me donne la patate, ça va être ma comédie coup de cœur de ces dernières années, c'est 22 Jump Street. Ok. De Lord et Miller. J'ai jamais vu ça. Oh là là, c'est déjà le premier et 21 Jump Street est très drôle. Assez vite, ça perd l'idée de on est une adaptation de série télé des années 80. Et ça devient un film de Lord et Miller, un peu déjanté, un peu comme ils avaient fait Tempête de boulettes géantes, qui était leur premier film. C'est un truc que j'aime bien chez les réalisateurs de films d'animation qui font du live. Ouais. Tu sais, genre Brad Bird, quand il a fait son Mission Impossible Protocole Fantôme. Pareil, Andrew Stanton. Je suis pas un grand fan de John Carter, mais il y a quelques trucs où on se dit ah purée ouais quand même il a de l'idée. Et pareil avec 22 Jump Street, 21 et 22 Jump Street. 21 très vite on oublie que c'est une reprise de série télé des années 80 et on part dans son propre délire etc. Et le 22 pour moi c'est le niveau au-dessus. Déjà rien que l'idée de faire une suite de 21 Jump Street qui s'appelle 22 Jump Street, rien que le titre est une vanne. Quoi. Ouais, c'est le titre est une vanne, après tu démarres avec plein de vannes méta, mais pas lourdingue comme sur un Deadpool ou un truc comme ça. On est sur un truc, je vais pas dire fin, mais des clins d'œil moins appuyés. Quoi. Deadpool, on est vraiment... Alors que là, 22 Jump Street, plutôt plus complice, on va dire. Et puis, je ris à chaque fois, mais la première fois que je l'ai vu au cinéma, je pense vraiment que j'ai gêné des gens dans la salle parce que je ne pouvais pas m'arrêter de rire une scène, devant une scène. Je pense, ceux qui l'ont vu comprendront tout de suite de laquelle je parle, le travelling compensé. J'en dis pas plus, okay, je t'invite à le voir, mais le travelling compensé, j'ai hurlé de rire et j'ai pas réussi à m'arrêter pendant... une bonne minute, surtout qu'il y a une autre scène derrière qui en rajoute une couche. Ah là là, mais c'est un film... en fait, c'est même devenu un running gag sur ma chaîne, sur Twitter. À chaque fois, je dis aux gens, vous connaissez 22 Jump Street en mode, vous connaissez l'UPR. Vraiment, je suis casse-pied avec ça, mais en même temps, c'est vraiment un film, je l'ai vu une trentaine de fois, alors qu'il est sorti il y a 5-6 ans. À un moment, je comptais le nombre de gens à qui je le faisais découvrir. Et vraiment, j'étais en mode, bon, je l'ai montré à telle personne, je l'ai montré à mes deux cousins, je l'ai montré à In the Panda, je l'ai montré à machin, je l'ai montré à Moa, je l'ai montré à des copains à droite à gauche, etc. J'ai pas arrêté. À chaque fois que quelqu'un venait chez moi, je lui disais, t'as vu 22 ans de fête? Bon, là, maintenant, je me suis un peu calmé. On va regarder ça juste après. Maintenant, quel est le film qui te fait flipper et celui qui t'aurait traumatisé? Alors, ça peut être un traumatisme psychologique, enfin, ce que tu veux, mais qui aurait pu créer un trauma chez toi? Alors, je suis difficilement flippé par les films d'horreur, d'angoisse, etc. J'ai vu quand j'avais 16-17 ans, j'ai vu L'Exorciste et j'étais en mode je comprends pas pourquoi les gens font pas ta caisse. Je pense que la force de L'Exorciste, c'est de le voir quand t'as pas l'âge.
Ouais. Faut, je pense que ceux qui ont été le plus marqués par l'exorciste, c'est ceux qui l'ont vu quand ils avaient pas l'âge. Ouais, c'est cool. Moi, j'ai été du coup un peu déçu. Par contre, à l'inverse, il y a des films qui font pas spécialement flipper, mais que j'ai vu tellement jeune qu'ils m'ont traumatisé. Peut-être pas aujourd'hui, je peux les revoir, mais et encore pas tous. Genre typiquement quand j'avais 7-8 ans, je crois, quelque chose comme ça, j'ai vu pour la première fois Mars Attacks. Okay. Et c'est une comédie SF, etc., un pastiche des films d'invasion des années 60-70, etc. Mais il y a toutes les scènes où les personnages, ils se font dégommer, ils se transforment en squelettes. Ouais, ouais. Quand t'as 7-8 ans, t'es en mode... C'est non, clair. J'aime pas ce que je vois. Et pareil, quand j'avais 11-12 ans, donc collège, tu vois, déjà, Destination Finale, j'ai juste vu les 15-20 premières minutes, parce que ça commence par un accident d'avion hyper impressionnant, où la carcasse s'ouvre, il y a des gens qui sont sur des sièges, les sièges sont éjectés et tout. C'est pas particulièrement gore ou violent, mais c'est choquant, quoi. Ouais. Et, alors que j'avais pourtant l'âge pour le regarder, c'était en mode, non, j'aime pas. Donc bizarrement, c'est des films qui sont pas spécialement conçus pour ça, qui m'ont fait quelque chose. Ok, c'est intéressant. Et les films d'horreur, je les ai vus peut-être trop vieux pour que ça me choque. Quelques vagues souvenirs, mais encore une fois, tu sais, des souvenirs de quand t'as pas l'âge. Genre, j'ai vu Le Vaisseau de l'Angoisse, qui est pourtant une merde. quand j'avais 14 ans, un truc comme ça, et la première scène, ils sont tous sur un bateau et il y a un fil à couper le beurre qui passe et tout le monde se retrouve coupé en deux. Et moi, quand j'étais gamin, j'étais en mode pourtant le film est nul. Mais après, il y a plein de films de genre et d'horreur que je vois vieux et que je trouve trop cool, même s'ils me font pas peur, tu vois. Genre il y a quelques temps, j'ai vu Chucky pour la première fois, que j'avais pas du tout vu avant. Et à la fin du film, j'étais en mode, ce film est trop bien. Il m'a pas du tout fait peur et tout, mais la manière dont il est mis en scène, la manière dont la marionnette bouge, etc., la voix du personnage et tout, j'étais en mode, putain, c'est trop bien ce film. Donc voilà, je suis quand même capable d'apprécier des films d'horreur, même s'ils me font pas peur. Ok. Alors, on rentre dans le dur. Est-ce que tu aurais un film culte et un réalisateur fétiche dont tu loupes rien? Non, les réalisateurs fétiches, c'est absolument pas original, mais je pense qu'on va taper dans le Tarantino, dans le Scorsese. Je pense que ma génération, les gens qui sont trentenaires aujourd'hui, tu sais, ils ont tous eu un poster de Pulp Fiction quand ils étaient ados. Tu sais, c'est le cliché du truc. Mais sinon, en film culte, il y en a plusieurs que j'ai monté un peu en épingle, donc en choisir un, c'est compliqué. Je pense que je reparlerai encore une fois de Titanic. Okay. Parce que Titanic, je l'ai détesté la première fois que je l'ai vu, comme je t'ai dit. Et je l'ai revu à sa sortie à l'occasion du centenaire du navire. En 2012, ils ont ressorti le film en 3D, conversion la plus chère de l'histoire de la 3D et tout, supervisé par James Cameron et tout. J'ai un pote qui a insisté, qui m'a dit viens le voir et tout, machin. Ouais. Et je l'ai vu et j'étais en mode, c'est trop bien, pourquoi j'ai pas aimé ça quand j'étais gamin? Et j'ai acheté le Blu-ray 3D, je l'ai revu plusieurs fois. Et tu sais, dans ma tête, j'ai un top 10 de mes films préférés et tout. Et à chaque fois que je le revois, Il monte dans le top. C'est-à-dire, au début, il était derrière, puis il est monté dans le top 10, puis il est monté dans le top 5 et tout. Puis, il n'y a pas très longtemps, j'ai refait un petit point sur mes films préférés. J'étais en mode, est-ce que vraiment je préfère La Classe Américaine à Titanic? Puis je me suis dit, j'adore La Classe Américaine, pour moi, c'est un film culte et tout, mais Titanic est quand même un petit peu au-dessus. Parce que pour moi, Titanic, c'est typiquement le film, déjà, qui est mal compris par beaucoup de gens. C'est-à-dire, quand je parle de Titanic, généralement, j'ai trois types de réactions, en dehors des gens qui sont d'accord avec moi, ils disent « Ah ouais, c'est vrai que c'est un très bon film. Ouais. » Il y a ceux qui disent « Ouais, c'est un film à l'eau de rose et tout. »
Et à chaque fois, moi, je suis en mode, vous rappelez qu'il y a un bateau qui coule quand même à un moment, et que ça dure une heure et demie, et que c'est hyper angoissant et tout. Il y a ceux, au contraire, qui disent, ouais, c'est un blockbuster, c'est un film d'action et tout, machin, c'est bas du front. Vous rappelez qu'il y a une histoire d'amour, un peu, un amour maudit, parce qu'il y en a une qui est turbo riche et un qui est turbo pauvre, ouais. Et leur amour est impossible et tout, et machin. Et il y a ceux qui me disent, ouais, c'est un gros blockbuster. Mmh. Et ça me fait beaucoup, beaucoup de peine, on va dire. Parce que pour moi, Titanic, c'est la fusion parfaite du blockbuster et du film d'auteur. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut dire ce qu'on veut de James Cameron, mais c'est clairement un auteur. Mmh. Son cinéma ressemble à aucun autre. On a beau dire Terminator 2, c'est un blockbuster typique des années 90. Il n'empêche que quand on le voit, on se dit, c'est un film de James Cameron, mmh. Tu vois. Il a un truc. Ouais, c'est clair. Et puis pareil pour Abyss, tu vois. Abyss, mmh. C'est un film turbo-personnel, quoi. Mmh. Ça parle de l'eau, ça parle d'amour, ça parle de, voilà, c'est presque un brouillon de Titanic, ouais. Alice, quoi, dans un autre style, mais ouais. Mais voilà. Et Titanic, quand tu regardes les making of, quand tu regardes ce genre de choses, tu te rends compte que James Cameron, il s'intéressait au Titanic depuis des dizaines d'années, que il a financé, un peu comme quand Avatar est sorti et qu'il a financé des recherches et développements sur, ouais. Le motion capture, si James Cameron n'avait pas voulu faire un film sur le Titanic, on n'aurait pas eu des incroyables images sous-marines et tout, mmh. Parce que c'est lui qui a financé des expéditions sous-marines, ouais. Pour voir à quoi ressemblait le Titanic sous la mer et tout. Et pareil, encore une fois, tu vois des historiens, il a proposé à des historiens du Titanic qui sont vraiment spécialisés dans le drame du Titanic, il leur a proposé de venir sur le plateau au moment où il était en tournage. Et t'as des interviews d'historiens qui disent, putain, mais on y était, quoi. Ouais, ouais. Moi qui ai étudié pendant des années les plans du bateau, je me retrouvais sur le Titanic. Et il y avait des figurants, on les croisait, on savait quel personnage historique c'était parce qu'il avait choisi, ouais, des, ouais. Gens qui ressemblaient et, mmh. Tout. Et machin, les costumes, les recherches. C'est vraiment un film d'amoureux du Titanic. Mmh. C'est, on a beau se dire, c'est un blockbuster, tu vois. Moi, quand on me dit blockbuster, je me dis, c'est un film que n'importe qui aurait pu réaliser, parce que c'est un film de studio. Mm. Tu vois, je sais pas moi, typiquement les Transformers, quand on est passé de... Je crois qu'il y a un Transformers récent qui n'a pas été réalisé par Michael Bay. Ouais, je ouais. Sais pas trop là-dessus. Bon, alors, oublions Transformers, je vais trouver un autre exemple. Les Fast and Furious, typiquement. Ouais. Les Fast and Furious, même si on peut reconnaître que James Wan a rajouté un petit truc, etc., machin, même si clairement on peut dire qu'il y a des Fast and Furious mieux réalisés que d'autres, mm-hmm. Et plus palpitants que d'autres, etc., machin, un Fast and Furious peut être réalisé par plein de réalisateurs différents, ouais. Sans perdre la substance de ce qui fait Fast and Furious, mm-hmm. Et tout. Et Titanic, vraiment, il y a que James Cameron qui aurait pu signer un film, ouais. Pareil, tu vois. Et c'est, je trouve, c'est une fusion blockbuster film d'auteur, mmh. Que je recherche souvent. Et quand il y a des gens qui me disent tel film, t'y vas pas pour te prendre la tête, c'est juste un blockbuster, on y va pour pour le grand spectacle et tout, je me dis, mais il y a quand même une distinction à faire, ouais. Entre des blockbusters d'auteur comme Titanic, mmh. Comme Matrix, ouais. Comme un exemple récent qui me plaît beaucoup, c'est Pacific Rim, tu vois. Mmh, ouais, ouais. On distingue vraiment un Pacific Rim qui n'aurait pas pu être réalisé par quelqu'un d'autre que Guillermo del Toro, mmh. Ça aurait jamais ressemblé à ça si ça avait pas, ouais. Été del Toro, qui arrive à donner une identité extrêmement particulière un film de gros monstres, mmh. Que n'ont pas du tout les Godzilla versus Kong, etc., machin, ou même les Transformers, tu, mmh. Vois. Pacific Rim n'est pas un Transformers, tu vois. Et pour moi, Titanic, c'est pareil, tu vois. Titanic a un truc qui en fait un film unique, à la fois film à grand spectacle, mmh. Et film d'auteur, ouais. Comme aucun autre. C'est pas pour rien qu'il dure 3h30, quoi. Je pense que il faut vraiment être un auteur qui a une vision d'auteur pour faire accepter à un studio un film de 3h30, ouais. Quoi.
C'est clair. Surtout à cette Avengers, époque. Oui, c'est ça. À l'époque, les films n'étaient pas aussi longs qu'ils le sont aujourd'hui, ouais, clairement. Ouais, c'est clair. Bon, est-ce que tu aurais un plaisir coupable? Un film que tu as un petit peu honte d'aimer regarder? Ah, j'en ai plein. J'en ai plein. Mais le truc, c'est que les plaisirs coupables, j'ai l'impression que à chaque fois que tu trouves un plaisir coupable, tu te dis putain, c'est pas très glorieux, mais j'aime beaucoup ce film. Tu trouveras toujours, grâce à Internet, quelqu'un d'autre qui a ce plaisir coupable. Et du coup, tu te sens moins coupable. Ouais, ouais. Moi, j'ai l'impression que les plaisirs coupables, c'est un truc qui était très présent avant Internet. Et aujourd'hui, un peu moins, parce que t'as des films, t'as des sites comme Nanarland, ouais, t'as des sites comme Sens Critique, ou même tout simplement Twitter, tu sais, quand t'as une petite commu, ouais, tu dis, ah, moi j'ai honte, mais j'aime beaucoup ce film, ouais, et t'as plein de gens qui vont dire, mais moi aussi je l'aime beaucoup, faut pas avoir honte, c'est normal, clair, c'est un bon film. Typiquement, il y a pas très longtemps, je fais une vidéo sur la tour Montparnasse infernale, et c'est un film, moi je l'adore, je le trouve formidable et tout, et pendant longtemps, j'étais en mode, ouais, mais faut avouer que c'est pas, ça vole pas très haut. Et puis, pourtant c'est culte quand même. C'est culte, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui l'ont vu. Mais justement, tu vois, quand tu te balades sur des sites de critiques et tout, ouais, tu vas avoir des gens qui vont dire ouais, je l'aime bien, mais c'est pas un grand film. Ouais. Mais en fait, en rassemblant tous les gens qui disent je l'aime bien, mais c'est pas un grand film, bah peut-être qu'il faut se poser la question, ouais, bah, est-ce que ce film a pas quelque chose en plus, quoi. Ouais. Et du coup, quand j'ai vu la vidéo de la chaîne Calmos sur, ouais, la tour Montparnasse infernale, ça m'a tellement rassuré. Je me suis dit, il y a quelque chose dans ce film qui va plus loin que le truc. Et après, tu lis des interviews de Eric Ramsey qui explique, typiquement, Eric qui va dire, moi, j'adore les Marx Brothers. Tu vas faire le lien et tout, plus les cartoons, parce que c'est vrai qu'il y a un côté très Tom et Jerry dans la tour Montparnasse infernale. C'est clair. Et voilà, au final, aujourd'hui, les plaisirs coupables, tu trouveras toujours quelqu'un qui te rassurera, ouais, sur le fait que t'es pas tout seul. Bah, tu vois, ça, en fait, tu me renvoies à ma dernière expérience, ma dernière vidéo sur la soupe aux choux. Ouais. Où du coup, tu sais, j'ai proposé une longue analyse et tout. Et en fait, j'ai eu énormément de commentaires. Merci, hein, de gens qui disaient, merci, grâce à toi, j'ai plus honte d'aimer la soupe aux choux. Bah, parce qu'ils avaient honte de te dire, parce qu'il y a une scène de prout, alors c'est tout de suite, c'est dévalorisé et tout ça. Et je me suis trop aperçu de ça, que s'il y avait quelqu'un d'un seul coup qui rassemble des gens en disant regardez, en fait, on a le droit d'aimer ça, il y a ce côté rassurant. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Typiquement, un film que j'aime beaucoup, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une assez grande communauté de gens qui le défendent, mais un film que je trouve... Allez, je m'en fous, je le dis. Un film que je trouve brillant, c'est Les Clés de bagnole de Laurent Baffy. Ok. Qui est le film le plus méta du monde. Je sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai pas vu, mais j'en avais beaucoup entendu parler dans le côté nanar. Ben, ouais. Bah, et justement, en fait, pour moi, c'est pas un nanar, c'est vraiment un film hyper intelligemment écrit. C'est-à-dire que Baffy, il perd ses clés. Comment dire? Les 15 premières minutes du film, je crois. 10 ou 15, je sais plus. C'est Baffy qui va voir plein de gros producteurs français. Genre, tu vois Claude Berry, tu vois Dominique Farrugia, tu vois plein de gens et tout. Et il essaie de leur vendre le script. Et du coup, il vend direct la fin du film. Il dit, bah alors voilà, le film, j'ai paumé mes clés de bagnole. Et au bout d'1h30, il les retrouve, elles étaient dans sa poche gauche. Et je vois Claude Berry, ah, il a cherché que dans la droite. Ah, je commence à comprendre le principe du film. Et puis après, t'as 5 minutes de lui qui va voir tous les acteurs... Et puis tu vois tous les acteurs, ils disent mais non, je veux pas jouer dans ton film, tu vois. Tu vas avoir Guillaume Canet en scooter, il va l'arrêter, il dit bon t'arrêtes de me poursuivre maintenant, tu me laisses tranquille, je veux pas jouer dans ton film. Et puis après il coince Daniel Auteuil en train de sortir ses poubelles. Alors tu l'as lu mon script, t'en as pensé quoi? C'est de la merde, tu arrêtes de me suivre maintenant. Et t'as plein de trucs comme ça. Et puis après le film démarre, l'acteur à qui il a réussi à proposer le film, c'est Daniel Russo, qui est un comparse régulier. Et ils vivent leur aventure en mode ils cherchent les clés de bagnole, et puis finalement, en cherchant les clés de bagnole, ils trouvent quelque chose d'autre, etc. Machin. Et puis ils se retrouvent à bosser dans une vigne en esclave et tout, surveillé par un mec et tout. Et puis Baffy, il dit à Daniel Russo, bon, s'il y a un hélicoptère qui passe en rase-motte, tu t'agrippes et on se barre de cet enfer.
Et puis il y a un hélicoptère qui passe et puis ça grippe. Mais comment tu savais qu'il y avait un hélicoptère qui allait passer? Parce que j'écris le film, donc je savais. Quoi, tu veux dire qu'on est dans un film là? Oui, Daniel. Et tu veux dire que toutes tes répliques, tout ce que je suis en train de dire, c'est toi qui l'as écrit? Oui, Daniel. Ok, d'accord, super. Et à un moment, Daniel Russo, il en a marre parce qu'il trouve le film nul. Du coup, ils arrêtent le tournage du film. Et puis ils se font chier et puis ils décident de repartir. Et puis va y avoir une scène, je vais pas raconter tout le film, mais il y a une scène où... En plein milieu d'une scène, t'as Baffy qui s'arrête et dit « Oh merde, j'avais dit à ma mère que j'achèterais du... Que je passerais chez le fromager pour elle. Tu t'arrêtes deux secondes. » Il sort de la bagnole, il va chez le fromager c'est Gérard Depardieu. Il dit « Ah, un beau reblochon et tout. » Gérard Depardieu, parfait, tu croirais qu'il a vendu du fromage toute sa vie. Et puis, il rentre avec le fromage et puis il dit à Daniel Russo « T'as vu qui c'était ?»« Bah oui, Gérard Depardieu, et alors ?» T'as-tu pas que j'ai Gérard Depardieu dans mon film? Daniel Russo, non, ce qui me tue, c'est que tu lui ai filé un rôle de fromager, quoi. Ouais, okay. C'est nul, t'as Gérard Depardieu, file-lui un meilleur rôle et tout. Et voilà, je vais pas raconter tout le film, mais je trouve que c'est un film très intelligemment écrit et tu sens que c'est un amoureux du cinéma, Baffy. Mmh. C'est, comment dire, c'est de notoriété publique et il a souvent défendu qu'il aimait beaucoup le cinéma. Et c'est un film d'amoureux du cinéma, c'est un film de petit malin. Et c'est un film, je trouve, qu'on traite pas à sa juste valeur. Déjà, il a bidé à l'époque. Et puis même, il y a un mépris, d'abord parce que c'est Laurent Baffy qui réalise un film, tu vois. À aucun moment, tu peux prendre ça au sérieux. Tu dis, voilà. En plus, sur l'affiche, c'était marqué « N'y allez pas, c'est une merde ». Oui, donc, à mon avis, les gens ont pris ça au premier degré. et puis voilà, il y a ce côté film de petit malin qui te fait te dire « C'est pas un vrai grand film de cinéma et tout ». Et c'est vrai que ça brille pas particulièrement par sa réalisation ou sa photographie. Pas un film, tu te dis, waouh, qu'est-ce qu'il est beau ce plan, tu vois. Mais c'est un film de petit malin. Et je trouve qu'on le met pas assez en avant. Et voilà, si je dois choisir un plaisir coupable, même si je connais toujours deux, trois personnes qui me disent, ouais, non, c'est vrai que c'est sympa. Ouais, ouais. Mais je pense que c'est un film qui, au fil des années, va prendre un peu du galon. Ok, et eh ben moi j'irai le voir parce que franchement là tu m'as bien vendu. Ah, franchement. Bon, est-ce que tu aurais un animé préféré? Film d'animation? Bah, ou tu peux me donner film et série comme tu préfères. Un film d'animation japonais préféré, je vais taper dans les Ghibli. Ça va être Princesse Mononoke. Sans doute Ex-Aequo avec Chihiro, mais Mononoke, c'est le premier que j'ai vu, je pense. Enfin, le premier vrai, pas Pokémon et Digimon le film, tu vois. Ouais. Il m'a beaucoup marqué, j'étais en mode, ah ouais, tu sais, t'as 8-9 ans, et puis t'es en mode, ah ouais, on peut voir un dessin animé où les mecs, ils se font couper les bras, waouh, trop bien. Ouais. et puis en série... Je pense que ça va être les premiers animés que j'ai regardés quand ils passaient sur Canal+. Ça va être GTO, qui est le dessin animé japonais qui m'a fait m'intéresser au doublage. Okay. C'est-à-dire que je trouvais l'acteur VF incroyable. J'ai commencé à me poser des questions sur les VF. Je me suis dit, waouh, d'accord, etc. Et c'est le premier comédien que j'ai contacté. Okay. Je me disais, attends, je bosse au journal du lycée, je vais réussir à faire passer ça. Ouais. Donc j'ai trouvé son agent, j'ai dit, hey, bonjour, je travaille pour un journal de lycée, vous seriez d'accord pour m'accorder une interview? Puis il m'a rappelé, donc j'avais la voix de mon héros préféré dans mon téléphone qui me disait, ah, rappelez-moi, etc. Machin. Et j'étais, ah, trop bien. Et puis on a organisé une rencontre, il m'a fait venir dans un studio. Ah, c'est Disneyland pour toi. C'est clair. Et puis, il y a eu des animés comme Excel Saga, où pareil, je découvrais qu'on pouvait avoir une nonchalance dans le doublage et une liberté dans l'adaptation que je trouvais vraiment cool. Et puis, Full Metal Alchemist aussi, okay. dans les animés Canal+. Mais Canal+, ça a quand même été un excellent incubateur d'animé. Je pense que les gens qui ont une dizaine d'années de plus que moi, ils me diront, j'ai vu Cowboy Bebop sur Canal+, Evangelion sur Canal+, ceux qui ont quelques années de moins diront, j'ai vu Monster sur Canal+, je pense que Samurai Champloo et tout, je pense que c'est un bon... Et même, j'allais dire, j'ai appris il n'y a pas très longtemps en écoutant une émission sur France Inter, que la première diffusion télé de Akira, c'était Canal+, et que les gens, c'est
se passait la cassette. Okay. À l'époque, en mode, parce qu'il n'y avait pas de vraie édition du film et tout, et les gens étaient en mode, ah, la cassette de la diffusion Canal+, et tout. Et le journaliste de France Inter était en mode, moi aussi, je l'ai découvert comme ça. Donc, c'est en mode, ouais, il y a vraiment un truc de, de se passer la cassette et tout. C'était une autre époque. Ah, la VHS. Quelle serait ta plus grosse claque cinématographique? Oh là là, cette question, putain. Mais là, ce qui me vient tout de suite, c'est Mad Max Fury Road. Ok. Fury Road, je l'ai vu au Cinoche et vraiment, je suis sorti en mode waouh. Et c'est fou parce que dès, je suis allé voir avec un copain, dès qu'on est sorti du Cinoche, moi j'étais en mode, ce film, dans 10 ans, on en parle dans les écoles de cinéma. Mmh. Et il n'a pas fallu attendre 10 ans, 2-3 ans plus tard, tu commençais à avoir des trucs. Le plan du Maelstrom, de la grande tornade, tempête de sable et tout, il y a 10 milliards de trailers, de bandes annonces qui l'ont repris, il y a plein de films qui se disent « Ok, il nous faut un plan comme ça » et tout. Clair. En à peine 2-3 ans, il a marqué le truc. Et je me souviens qu'au moment des Oscars de cette année-là, c'est The Revenant qui a gagné l'Oscar. J'aime beaucoup The Revenant, je l'ai vu au cinéma, je l'ai beaucoup aimé. Effectivement, c'est un film assez puissant. Mais 5 ans plus tard, est-ce qu'on parle encore beaucoup de The Revenant? Pas tant que ça. Est-ce qu'on parle encore de Fury Road? Tout le temps. T'as toujours quelqu'un qui va faire référence à Fury Road, va y avoir des blagues, machin. Tel réalisateur qui va dire du bien de George Miller et tout. Des news sur la suite et tout. C'est, je pense, c'est un film en à peine quelques mois. Il a marqué tout le monde, quoi. À part Xavier Beauvois, qui a dit sur Twitter, oh, je comprends pas pourquoi vous vous astiquez sur cette merde. Toi, t'es en mode putain. Retourne polir ta palme d'or des hommes et des dieux et puis fous-nous la paix. Est-ce que tu aimes les documentaires? Oui. Et est-ce que tu aurais un documentaire à conseiller, un documentaire fétiche, quoi? Alors, documentaire fétiche, il y a plusieurs documentaires que j'aime bien. Un documentaire qui est assez récent, mais qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est Jodorowsky's Dune. Ok. Je le trouve assez fascinant dans ce qu'il a à raconter. Il y a un côté... tu sais que le projet se fera pas, mais il en trouve la porte. Et tu vois ce que le projet a créé sans exister. Tu vois ce que le projet aurait pu créer s'il avait existé. Et c'est assez, je trouve, c'est... Et puis c'est, comment dire, ils ont tous une euphorie très communicative quand ils parlent du projet. Tu sens que c'est un projet qu'ils auraient aimé faire. Et rien que d'en parler, ça les enchante. Et tout. C'est hyper plaisant à suivre. Moi, j'aime bien les documentaires qui... C'est bateau ce que je veux dire, mais j'aime bien les documentaires qui se contentent pas de raconter et qui ont aussi un message à travers ce qu'ils ont à raconter, quoi. Ouais, bien sûr. Et typiquement, Jodorowsky's Dune, ça porte un message sur le cinéma, sur la créativité, sur l'industrie, sur les rêves aussi. Ouais, ça dépasse son sujet, quoi. C'est ça, ça dépasse totalement son sujet. Et c'est pour ça que, même si c'est un peu triché, j'aime bien les documenteurs. Les films qui adoptent un style documentaire pour finalement parler plus du delà du sujet sujet en soi. Typiquement, là, un documentaire que j'ai revu il n'y a pas très longtemps, c'est Punishment Park. Ok. Et en pleine affaire George Floyd, alors qu'est sorti quelques mois plus tôt Un pays qui se tient sage et tout. C'est un film qui a une résonance toute particulière aujourd'hui. Et même si tu sais que ce qui est montré est faux, la démarche documentaire, le fait que les acteurs soient majoritairement des amateurs qui n'ont jamais joué à la comédie de leur vie et tout, ça donne un côté très vrai au film, alors qu'il est faux. Et ça a une résonance... Je répète un peu. Non, mais c'est terrible parce que
J'aime beaucoup tout un tas de documentaires, mais là, j'en ai aucun qui me vient. J'avais fait un des premiers documentaires que j'ai vu et qui m'a vraiment beaucoup plu. C'est plus un making-of, souvenir et tout, qu'un vrai documentaire, mais à l'époque, j'avais adoré. C'était Putain 10 ans, qui est un documentaire sur les 10 premières années des Guignols de l'info. Ah ouais, okay. Ah, j'ai dit, ouais, moi, j'étais un gros fan des Guignols de l'info dans les années 90 et tout. Et c'est aujourd'hui, quand je revois avec le recul, c'est clairement une émission qui a participé à mon éducation politique. Je pense que je serais pas aussi un sale gauchiste si j'avais pas regardé les Guignols de l'info quand j'étais gamin. Et justement, je pense que le documentaire en a rajouté une couche parce que il y a tout le monde qui parle de l'émission. C'est-à-dire qu'aussi bien tu vas avoir le directeur des programmes qui va raconter, bah voilà, on avait ce projet, etc., machin. Tu vas avoir les auteurs qui vont raconter des sketchs cultes en disant, bah voilà, à ce moment-là, on a eu des problèmes et tout, on a eu des ennuis. Et puis t'as même des, et ça c'est vraiment cool, t'as même des personnalités politiques qui viennent parler de leurs marionnettes. Genre, t'as une grosse interview, enfin, pas une grosse interview, mais plusieurs petits bouts d'interview de Bernard Tapie, dont la marionnette était culte. Ouais. Et ils ont repassé le sketch La Combine à Nanar de début des années 90, quand Bernard Tapie était présent sur tous les terrains, les affaires, le foot, la politique, voilà, il était partout. Et tu vois Tapie qui revoit ce sketch, qui rigole et qui dit, c'est vrai que si on regarde ma carrière, on peut dresser ce portrait-là de ce que j'ai vécu ces dernières années, ça me dérange pas. Okay. Et avoir ce regard-là sur une émission que tu regardais jusqu'à maintenant passivement, c'est un truc qui m'a vraiment fasciné. Alors à l'époque, voilà, encore une fois, j'étais gamin, c'est pas vraiment un documentaire, mais c'est mon premier contact avec le au-delà du sujet et ça m'a vraiment beaucoup plu. Bon, revenons dans le cœur de ta chaîne, là, j'ai envie de dire. Est-ce que tu aurais vraiment un film où tu te dis que le doublage est vraiment fabuleux, tu vois, vraiment ton film où... Il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est un peu triché parce que le doublage est en soi le film. Mais La Classe Américaine, pour moi, c'est culte, justement parce que voilà, tu crées avec le doublage autre chose, donc forcément. Mais bon, c'est pas vraiment du doublage. Il y a le remontage, il y a le script. On est sur autre chose. Si on doit vraiment parler de doublage, je vais taper dans ce qui est du classique pour tout le monde. Ça va être Retour vers le futur, Die Hard. J'ai beaucoup d'affection pour Mission Impossible, le premier, de Brian De Palma. Et pourtant, quand j'en parle, la VF fait pas l'unanimité, parce que à l'époque, c'était encore Patrick Poivet qui faisait Tom Cruise. Patrick Poivet qui est la voix de Bruce Willis. Et quand je le montre à quelqu'un qui a plus l'habitude des films de Bruce Willis, généralement, j'ai de la réaction un peu... Je sais pas, quand même, ça s'entend que c'est, moi j'entends que c'est la voix de Bruce Willis. Voir Tom Cruise parler avec la voix de Bruce Willis, ça me trouble et tout. Moi j'ai pris l'habitude et puis ils jouent pas les acteurs de la même manière, quoi. Mais je comprends que ça puisse gêner, mais pour moi c'est une des meilleures performances de Patrick Poivet. Je le trouve brillant dans ce film. Les comédiens, les deux comédiens français se doublent très bien eux-mêmes, ce qui est pas toujours le cas. Emmanuel Béard et Jean Reno sont impeccables. Les noms des comédiens me reviennent pas, mais le comédien qui double John Voight et le comédien qui double le personnage de Luther. Pareil, je les trouve tous les deux très bons. Je crois que c'est Jean-Michel Martial qui faisait le personnage de Ving Rhames. Je les trouve tous très bons et en plus j'aime beaucoup le premier Mission Impossible. On va taper là-dedans. Sinon, même si j'ai aucun problème à le regarder en VO, je trouve la VF de 22 Jump Street très réussie. Je trouve qu'elle adapte bien un certain nombre de gags et c'est vrai que, comment dire,
quand je dois parler aux gens, quand je dois expliquer c'est quoi l'adaptation, mm-hmm. 22 Jump Street me file souvent des bons exemples. Il y a un exemple qui pour moi illustre très très bien, c'est un gag où un des personnages explique que la cocaïne c'est une drogue de vieux, mm-hmm. et en VO elle dit c'est ce que prenaient les Golden Girls. Ok. Et le truc, c'est qu'en France, les Golden Girls, ça a été diffusé de manière assez confidentielle, même s'il y a un public d'aficionados très, très affiché, quoi. C'est pas aussi culte qu'aux États-Unis. Et du coup, fallait trouver un équivalent qui parle autant au public français, quoi. Mmh. Et du coup, le personnage dit, c'est ce que prenait l'inspecteur Derrick. Et voilà, l'inspecteur Derrick, ça n'existe pas aux États-Unis. Mais... comment dire, moi les plusieurs fois je suis allé le voir au cinéma et le public riait, les gens comprenaient quoi, les sous-titres eux quand tu regardes le film en VOST, ils sont, parce que c'est la nature d'un sous-titre, ils sont plus concis et du coup ils disent juste c'est ce que prennent les vieux sans aller dans la référence, parce que c'est pas le rôle d'un sous-titre. Un sous-titre ça doit aller à l'essentiel. D'accord. Pour être lu vite. Mmh. Pour que les personnages, les spectateurs reviennent au film. Ouais, ouais, d'accord. Et la VF, justement, garde la blague, garde la référence pour qu'on comprenne de quoi il est question, pour qu'on ait l'image. Mmh. C'est extrêmement imagé. et ça, pour moi, c'est une adaptation réussie. Tu te dis, ah ouais, ils ont trouvé le bon truc. Le public français comprend la vanne comme le public américain comprend la vanne. Ouais. Ils touchent un aussi large public en France que la blague originale touche un large public aux États-Unis, ça pour moi c'est une adaptation réussie. Et quand je dois expliquer c'est quoi le métier d'adaptateur et pourquoi non on peut pas garder toutes les références, parce que t'as toujours un public qui dit ouais mais c'est nul, en VO il fait une super référence bien geek et en VF ils ont mis autre chose, toi il faut que t'expliques, bah oui mais c'est pas le même public, il faut trouver une référence qui touche la même part du public. Donc, c'est un travail intellectuel différent et tout. Donc, c'est souvent un bon exemple quand je dois expliquer c'est quoi un bon doublage. Enfin, c'est pas mon doublage préféré, mais il y a beaucoup de bonnes idées. Mais c'est terrible ce que je vais dire, mais il y a vraiment beaucoup de bonnes VF. Il y a beaucoup plus de bonnes VF que ce que certains veulent bien le dire. Moi, j'ai tenu à un moment sur ma chaîne un calendrier de l'Avent. Où je donnais chaque jour avant Noël un bon film à regarder en VF, en mettant en impératif pas de Disney, pas deux fois, pas deux films d'un même réalisateur, parce qu'il y a des réalisateurs qui ont un peu plus de chance que d'autres, et que des films sortis après l'an 2000, pour que les gens se sortent de la tête cette idée de depuis les années 2000, c'est vachement moins bien et tout. Et c'était très facile. C'était très facile d'en trouver 25. C'était difficile, c'était même difficile d'en choisir 25. Ouais, ouais. Parce que les exemples ne manquaient pas. Donc, quand on me dit, donne-nous un exemple de bonne VF, c'est compliqué parce qu'il y en a tellement. Il y en a plus que ce que les gens se disent. Ouais, quoi. Ouais. Quand tu dis un anti-VF, cite-moi une bonne VF, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Va y avoir Retour vers le futur, va y avoir Die Hard, va y avoir The Mask. Et ça va être tout, quoi. Dans les trucs récents, les trucs les plus récents qu'ils vont te citer, c'est des trucs débiles. Ou alors des VF qui se sont justement fait remarquer parce que c'était des VF qui faisaient parler d'elles. Genre Vampire en toute intimité. On parle souvent de la VF parce que elle a été écrite par Nicolas et Bruno. Ils ont déplacé l'action qui se passait dans au Royaume-Uni, je sais plus où. Et maintenant, ça se passe à Limoges. Donc voilà, c'est rigolo, il y a un truc, etc. Oui, mais il n'y a pas que ça. Une VF n'a pas besoin de créer autre chose pour exister. Ouais. Ok. Désolé quand je parle doublage, je m'emballe, je m'emporte. Bon, j'imagine que tu as vu Last Action Hero. Si tu avais un billet magique, dans quel film est-ce que tu aimerais aller? Waouh, là là. Ah, compliqué ça. Ah, c'est super compliqué comme question. Ah, je sais pas. Parce qu'il y a beaucoup de films que j'aime beaucoup dans lesquels j'aimerais pas être. Genre, au hasard,
Titanic. Je suis un grand fan de Titanic. J'aurais pas envie d'être dans Titanic. Je vois pourquoi, mais bon. Je sais pas, sale ambiance, je crois. L'Asie, c'est vrai, l'Asie est mauvaise. Non, je pense que c'est après, j'imagine que c'est une réponse qu'on t'a déjà dit, mais je pense que j'irais dans un Harry Potter ou un truc comme ça, tu vois, un univers magique et tout, plutôt chouette. Les premiers Harry Potter, du coup, de préférence, pas celui où tout le monde meurt. Bah, souvent, en fait, les gens ont du mal à répondre à cette question. Bah ouais, c'est pas facile. Ouais, ouais. Parce qu'il y a... Moi, les films qui me plaisent le plus, c'est aussi ceux qui m'accrochent, qui m'agrippent et qui me font, qui me secouent, j'ai envie de dire, tu vois. Et pareil, j'ai pas envie d'être dans Fury Road, tu vois. Ouais, c'est clair. J'ai pas envie d'être dans Fury Road, j'ai pas envie d'être dans Gravity. Tous les bons films que j'ai cités depuis le début, y en a aucun dans lequel j'ai envie d'être. J'ai pas envie d'être dans Princesse Mononoke. J'ai pas envie d'être dans Le Roi et l'Oiseau. Ouais, tu vois, c'est terrible. Donc je vais aller chercher dans des films un peu plus légers. Ouais, Et c'est vrai que Harry Potter 1, 2, pourquoi pas même 3, allons-y quoi. Non, peut-être Alexandre le Bienheureux, que j'ai vu récemment, parce que c'est l'histoire d'un mec qui fout rien. Donc moi ça me va, moi ça me va. Quel est le film le plus étrange que t'aies pu voir? Trop dur. Autre question, je passe. Non, attends. Non, mais si tu veux. Hein. Non, mais... Je vais... Un film que je trouve très what the fuck et pourtant plein de sens, et c'est mon film préféré, c'est Pink Floyd The Wall, de Alan Parker. C'est pas un film what the fuck, mais c'est un film très abstrait qui va jamais te dire clairement les choses, qui va te laisser y voir ce que t'as envie d'y voir, etc. Même si clairement l'auteur et le réalisateur ont un message... Mm. Très clair, chacun y met un petit peu ce qu'il veut, et encore une fois, là, coup de bol, c'était le film préféré de mon père, donc c'est mon père qui me l'a montré, enfin qui m'a conseillé de le voir. Okay. J'ai trouvé dans une médiathèque, j'étais en mode ah, depuis le temps qu'il m'en parle, attends, je le regarde. et c'est vrai que c'est un film assez. Assez fou, assez torturé, on va dire. C'est un film. C'est un film malade, mais pas dans le sens dont la production a été malade, mais c'est un film d'un esprit malade, plusieurs esprits malades. Enfin, surtout celui de Roger Waters en l'occurrence, mais c'est vrai que c'est un film qui me plaît beaucoup. Okay. Sinon, j'ai une autre réponse éventuellement, et ça tombe bien parce qu'on en parlait hors antenne, et je disais, putain, c'est con que j'en ai pas parlé. Ben voilà, j'ai l'occasion d'en parler. C'est un film indien qui s'appelle Eye, que j'ai découvert aux Hallucinations Collectives, qui est un festival lyonnais, allez-y, c'est trop bien. Et c'est un film de 3 heures qui brasse énormément de styles différents. C'est un film d'action, c'est un film d'horreur, c'est un film romantique, c'est une comédie musicale, c'est un polar, c'est vraiment plein de styles de films différents. Et c'est un truc que j'aime beaucoup dans le cinéma indien, en tout cas dans le cinéma indien que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, j'ai peut-être eu du bol, hein. C'est ce côté, on assume tout ce qui peut arriver à l'écran, on prend ce qu'on raconte au sérieux, et on n'a pas de complexe et tout, et forcément, tu vois, il va y avoir des scènes que tu peux isoler et mettre sur Facebook en mode « Oh, les Indiens, ils sont trop foufous !» Genre, il y a une scène où le personnage principal, c'est un culturiste qui a fait des concours de culturisme, etc. Et il y a un moment, c'est le favori du concours, etc. Et du coup, tous les autres culturistes dans la salle d'entraînement, dans les vestiaires, commencent à le menacer et tout. Et ils s'impressionnent en faisant bouger leur pec. Okay. Et genre, c'est vraiment poum, 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 poum. Et tu vois une cinquantaine de mecs qui font bouger leur pec, poum, 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 poum. Et si t'arrives à mettre un peu le côté moqueur qu'on peut avoir, etc., c'est une scène qui marche très très bien. Alors c'est sûr qu'isolé du reste du film et tout, voilà, tu peux te dire qu'est-ce que c'est que cette histoire. Mais les Indiens, enfin c'est l'impression que j'en ai, les Indiens s'en foutent, ils assument, ils disent on met une scène comme ça, et y a plein d'autres scènes comme ça dans le film où tu te dis c'est débile, mais
Mais ça marche. Ouais, ouais. Et du coup, oui, si tu regardes le film dans sa globalité, surtout un film de 3 heures, tu peux te dire c'est what the fuck, il y a des scènes, tu te dis putain, ça sort de nulle part. À un moment, le héros, il a les lacets défaits, il arrive à les refaire en bougeant son pied. Et puis ça, les lacets sont faits. Mais ça marche. Et ça reste un film prenant et où t'es, comment dire, t'es impliqué dans l'histoire, tu vois. Donc c'est pas rédhibitoire. Ouais, ok, je vois bien. Est-ce que tu aurais un film à nous conseiller? Un film qui serait peut-être un peu trop méconnu, à ton sens? Alors, je vais choisir un film, je sais que c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film que j'aime bien, c'est un film que les gens connaissent pas, et c'est un film qui, je trouve, a beaucoup de choses pour lui. C'est un film qui s'appelle « Belle à mourir ». Okay. C'est un des premiers gros rôles de plusieurs actrices. C'est un des premiers rôles principaux de Kirsten Dunst, avant Spider-Man, quelques années avant Spider-Man. C'est un des premiers rôles de Amy Adams, okay, qu'on ne connaissait pas du tout à l'époque. Il y a Denise Richards, il y a quelques caméos de Adam West et tout. La VF est impeccable, ils sont tous géniaux. Et c'est un documentaire, même si, comment dire, même si très vite disons qu'il s'accroche pas au formalisme, c'est-à-dire que de temps en temps t'as des chants contre chants, tu dis oui, bon, bah, voilà, c'est pas grave, pas en faire une maladie. Et en fait, c'est une équipe documentaire qui s'intéresse à un concours de Miss dans une ville de l'Amérique profonde, on va dire. Et en fait, le truc, c'est que mine de rien, ce concours de Miss est un enjeu pour un certain nombre de filles de cette ville. D'abord parce que c'est peut-être l'une des seules occasions de sortir de cette ville de Plouc. Et puis aussi, il y a des histoires d'ego, il y a des histoires de machin. Et très vite, ça va partir en vrille avec une des candidates les plus prometteuses qui va mourir dans un accident de tracteur. Et putain, c'est bizarre quand même parce qu'elle conduisait bien les tracteurs, elle était prudente, comment se fait-ce, et puis voilà. Et du coup, on va suivre les différentes candidates, et c'est un film très drôle avec ces petites doses de comment dire, d'ambition narrative, on va dire. C'est pas que de la comédie, ça raconte quand même quelques trucs et tout, il y a des rebondissements et tout. Ah, dans les actrices, j'ai oublié de parler de Brittany Murphy, un de ses premiers rôles aussi. Donc plein d'actrices jeunes que tu découvres en mode putain, déjà à l'époque, ça joue bien. Et voilà, et c'est un film, je l'ai découvert par hasard en zappant un soir. J'avais loupé le premier quart d'heure. Genre, j'ai regardé 5 minutes, et puis j'étais en mode, oh, c'est sympa ça. Puis je suis vite allé chercher une cassette, et puis j'ai lancé l'enregistrement. Et du coup, je l'ai revu assez régulièrement sans les 20 premières minutes, jusqu'à ce que je mette la main sur le DVD et que je vois les 20 premières minutes. Et c'est vraiment un chouette film. Et toutes les personnes à qui je l'ai montré ont commencé par un ouf, je sais pas trop. Bon, écoute, je t'ai laissé le choix du film, allons-y, partons là-dessus. Et à la fin, ils étaient en mode, c'est pas mal comme film. Hein. Franchement, c'est pas mal comme film. Alors, encore une fois, je prétends pas que c'est un chef-d'œuvre, mais il y a quelque chose dans ce film. C'est toujours, je sais pas toi, mais moi, des fois, j'ai du mal à mettre les mots sur ce qui me plaît dans tel et tel film. C'est clair. Belle à mourir, il est drôle, mais c'est pas le plus drôle de la Terre. Il a des scènes sérieuses, mais c'est pas les plus réussies de la Terre. C'est un documentaire, mais c'est pas le meilleur documentaire de la Terre. Mais il y a quelque chose, il y a quelque chose d'unique dans ce film qui fait que je le conseille aux gens. Si vous avez envie, la curiosité de regarder ce film, dites dans les commentaires si vous aussi vous trouvez les mots ou pas qui font que le film il est bien. C'est clair. Je galère. Alors maintenant, dernière question. Qui est-ce que tu aimerais voir une prochaine fois à ta place? Ah, ça c'est intéressant. J'aimerais bien voir quelqu'un qui parle
pas du tout de cinéma, tu sais. Ouais, carrément. Dans les vidéastes ciné, j'aimerais bien voir, c'est pas très original, mais Karim Debbache. J'aimerais bien aussi. Je te le souhaite. peut-être aussi Not Serious. Carrément, mais on va se caler ça avec Not Serious. Ce qui est cool avec Not Serious, c'est que il a assumé dès le début de sa chaîne qu'il ferait pas d'analyse ciné. Ouais, ouais. Très vite, il a dit, moi, je suis pas bon en analyse. J'ai envie plutôt de faire de l'humour, plutôt comme JDG, etc. Donc voilà, c'est surtout des gags autour des films. Et du coup, j'aimerais bien savoir son parcours cinématographique à lui, qui fait que il aime bien le cinéma, mais il a pas envie de faire des analyses. Ça m'intéresserait. Et puis sinon, dans les vidéastes pas du tout cinéma, j'aimerais bien les Descraques. Ok. François Descraques ou Raphaël, ou les deux. Ouais. Parce que ils réalisent, tu sens qu'il y a des inspirations, etc. Mais ce serait tellement cool de les entendre en parler. Ouais, c'est clair. Ils sont passionnants à écouter en interview. Donc je pense Raph, en plus il a ce truc d'avoir réalisé Les Dissociés, co-réalisé Les Dissociés, qui a été je trouve un coup de pied dans la fiction sur internet en France. C'est-à-dire que on s'était plus ou moins fait à l'idée de faire des sketchs à ce moment-là. C'est-à-dire que même la web-série, même la série, à part France TV, il n'y avait plus de séries amateurs. Il y a eu toute l'époque, justement, Visiteurs du Futur, François Descraques pourrait en parler, mais il y a eu toute cette période où tout le monde était en mode « Moi aussi, je veux faire des séries, je peux. » Mais au moment où Les Dissociés est sorti, les gens avaient plus ou moins baissé les bras. Ouais, en mode « Ouais, bon, ben, à moins d'avoir une prod, ça vaut pas le coup de s'enquiquiner. Du coup, on va plutôt faire des petits sketchs et tout. » Il y a des gens qui sont très bons dans les petits sketchs. Il y a les gars du Monde à l'envers, il y a les Parasites, il y a ce que faisait Golden Moustache et Studio Bagel à ce moment-là. Mais je trouve que Raph, avec Les Dissociés, Raph et Jules Fou et Vincent Tirel, ils ont tapé dans le truc et je trouve que ça a fait du bien au web français. C'est clair. Et ben ouais, ça serait vraiment cool. L'appel est lancé. Bon bah écoutez, merci beaucoup à Mr. Fox d'avoir accepté l'invitation. Cool. Merci à toi de m'avoir invité. Toujours un plaisir de parler cinéma. Bah ouais, carrément. Surtout avec des gens qui aiment le cinéma. C'est ça. Et d'ailleurs, bah, si vous regardez ça, c'est que vous aimez le cinéma. Et si vous ne connaissez pas sa chaîne avant, bah, je vous invite à aller vous abonner en masse. Voilà. Vous abonner en tabarnak. C'est ça. Et puis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou sur Twitter qu'est-ce que vous aimeriez voir une prochaine fois. Vous pouvez aussi aller voir la playlist avec, je sais pas, il y a eu Alt, il y a eu Dirty Biology, Axolot, Nota Bene, enfin il y en a eu pas mal, Bolchegeek là qui passait dernièrement, donc allez vous faire plaisir en attendant le prochain, et surtout n'oubliez pas que pour survivre, faut bouffer de la culture.